Tu es bien gentil de me demander ça, mais je peux pas faire. Tu comprends? Une chanson, ça se fait pas. Ça se fait pas comme ça en 3 heures, tu comprends? Tu aurais dû me prévenir en septembre, d'ailleurs. Pratiquement, c'est chaque fois la même chose avec toi. Tu es le roi de la dernière minute. Non, je peux pas. Je peux pas. Tu sais. Puis t'es journaliste en plus, alors tu vois, ça va pas. C'est pas ça qui va me décider. Je t'aime bien quand même. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Viva vobe, vobe, vivi, viva vobe, vivi. Viva vobe, viva vobe, viva. Tu sais que t'es gonflé. Mais je ne ferai pas ta chanson. Il est gonflé et nous ment. Viva vobe, viva vobe. Je ne ferai pas ta chanson. Et quel genre de chanson, à peu près? Une chanson de fin d'année, oui. Ça veut rien dire, une chanson de fin d'année. Ça n'existe pas, une chanson de fin d'année. Une chanson de toi? T'as une idée? T'as aucune? J'ai pas d'idée, pas d'idée. Ce qu'on peut faire, de toute façon, là, comme ça doit aller très vite, on peut faire un truc très simple. Il faut tourner autour de très peu d'harmonie, un petit côté majeur, un petit côté mineur, en do, pour ne pas se fatiguer utilement, parce que c'est pas pour toi que je vais... Avec un petit passage en mineur. Bon. Récitatif. Alors, sujet... Sujet, c'est quand même la nouvelle année. C'est un vœu, c'est une chanson d'espoir quand même. Ben oui. Même si elle est triste, elle doit parler d'espoir. Par de là, on peut pas, ça fait une idée. Faire une chanson sur les. Tu connais les bigotes? Tu connais la chanson Les Bigotes? Ouais, mais c'est pas pour moi. Les bigotes, c'est pas pour vous, c'est les bigotes. Eh ben, on peut faire une chanson par exemple sur l'absence, tu vois. Sur l'absence, ça doit être naïf, puisque cette musique est naïve. C'est une musique de môme, c'est une musique de quand on a 20 ans, de quand il pleut, quand on est tout seul. Puis c'est pas joli autour avec une musique comme ça, tu vois, c'est pas... Ce ne sont pas des palais, ce sont des rues un peu bêtes, c'est la banlieue. Donc c'est un gars de 20 ans. Qu'est-ce qui manque le plus au gars de 20 ans? Je sais pas moi, la famille, la maison. La famille, peut-être. L'ambiance, ouais. Alors il est... C'est pas un bourgeois, hein. Parce qu'un bourgeois, il sait même pas bien ce qui lui manque à 20 ans. Il le sait que longtemps après, quand les carottes sont cuites, d'habitude. Tandis que là, c'est un gars qui sait qu'il a 20 ans. Et il manque la famille. Donc il lui manquerait, c'est ça. Tiens, on pourrait faire un truc, c'est un gars dans un quartier triste. Mais on ne sait même pas qu'il y a un quartier triste. Il a 20 ans et il lui manque tout ce qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il lui manquerait sa mère, son père, puis peut-être d'autres dans la famille. C'est un drôle de tête, toi, t'as grossi. Hein. C'est ça. Tu connais les bigotes? Pas connaître les bigotes. Bon, alors attends. Donc il est tout seul. Il est tout seul dans, hein. Il manque sa mère, il manque son père, il manque. Mettons un frère et une sœur. Hein? Ah, il faut trouver la première phrase. Alors c'est. On commence par la mère, c'est quand même ce qui est vital. Alors c'est. Ma maman n'est plus là. Ça fait pas nouvel an, ça. Hein. Il faudrait le faire, et c'est le futur. Ma maman va revenir. Quand ma maman reviendra. Et elle me rechantera des chansons. Bon.
Bien. Pour la mère, c'est arrangé, elle va revenir, on verra plus loin. Ça, c'est une question de papier, de texte. Bien. Second personnage, qu'est-ce qu'il attend, mon gars, qui a 20 ans? Il attend son frère. On fait alternance, hein. Il y a eu la mère, le frère. Le frère, il est parti. Où? Ah, je sais pas. Il est parti, pas parti à la guerre. Il est pas parti à la guerre. Il est parti, il est malade. Il est quelque part, il est en prison. Je sais pas. Finalement, c'est ça. Si, c'est si. Toi qui imagines. Si, si. Il est en prison parce que alors ça colle au climat banlieue, tout. Il est peut-être en prison pour par idéalisme. Ça n'a pas d'importance, mais on l'a volé, son frère. Comme au fond, on a dû voler sa mère, déjà. On verra exactement, on donnera des raisons exactes pour ça, mais il est en prison. Quand mon frère, il reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand il reviendra le faire un an, qui c'est qui sera content? C'est moi. Il reviendra de sa prison, puis il dit bon, bah, 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 bah. Bon, ça va. Bien. Donc, la mère, ça va. Le frère, ça va. La sœur. La sœur, elle est partie à Paris. Sûrement, elle est partie à Paris. Alors, quand on a 20 ans, qu'on attend sa sœur, on s'imagine qu'elle va revenir sur le cheval d'un prince charmant, quelque chose comme ça. Et puis la sœur, ça reviendra pour donner des sourires. La sœur revient de Paris, c'est sûr. Et puis là, on pourrait faire un truc qui serait rigolo, qui serait une espèce de pirouette, qui serait une espèce d'astuce. C'est-à-dire que, comme on dit, que quand maman reviendra, papa sera content. On dit que quand mon frère reviendra, mon papa sera content. Puis on dit que quand ma soeur reviendra, mon papa sera content. On pourrait peut-être même aller jusqu'à dire que quand mon papa reviendra, mon papa sera content. Parce que lui aussi, il est parti, mais lui, on est bien sûr qu'il est parti tout à fait à contre-cœur. Il est parti simplement parce que il n'y avait peut-être plus personne d'autre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quand mon papa reviendra, c'est mon papa qui sera content. Puis il reviendra de n'importe où, du bistrot, un truc comme ça. Alors finalement, puisque tu m'as demandé une chanson pour le nouvel an, on va la faire moduler d'un demi-ton. Et on va finir en disant, ah, si ma maman revenait, qu'est-ce qu'il serait content, papa? Et puis comme ça, j'espère que tu seras content aussi, parce que faire une chanson comme ça, c'est pas commode. C'est mon papa qui sera content. Quand elle reviendra, maman, qui c'est qui sera content? C'est moi. Elle reviendra comme chaque fois, à cheval sur un chagrin d'amour. Et pour mieux fêter son retour, toute la sainte famille sera là. Et elle me rechantera les chansons que j'aimais tellement. On a tellement besoin de chansons quand il paraît qu'on a 20 ans. Quand mon frère y reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand il reviendra le Fernand, qui c'est qui sera content? C'est moi. Il reviendra de sa prison, toujours à cheval sur ses principes. Il reviendra et toute l'équipe l'accueillera sur le perron. Et il me racontera les histoires que j'aimais tellement. On a tellement besoin d'histoires quand il paraît qu'on a 20 ans. Elle reviendra, c'est mon papa qui sera content.
Quand reviendra la fille de maman, qui sait qui sera content? C'est moi. Elle reviendra de Paris sur le cheval d'un prince charmant. Elle reviendra et toute la famille l'accueillera en pleurant. Et elle me redonnera son sourire que j'aimais tellement. On a tellement besoin de sourire quand il paraît qu'on a 20 ans. Quand mon papa reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand il reviendra en gueulant, qui c'est qui sera content? C'est moi. Il reviendra du bistrot du coin, un cheval sur une idée noire. Il reviendra que quand il sera noir, que quand il en aura besoin. Et il me redonnera des soucis que j'aime pas tellement, mais il paraît qu'ils font des soucis quand il paraît qu'on a 20 ans. Si ma maman revenait, qu'est-ce qu'il serait content, papa? Si ma maman revenait, qui c'est qui serait content? C'est moi.